Donc avec Marion Pinafo, on a fondé le studio Pinafo Pluvinage il y a maintenant un an officiellement. En fait, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et je dirais que le fil rouge de notre travail, c'est des expériences qu'on vient mettre en des objets, des dispositifs qu'on vient mettre en action. C'est toujours des objets qui sont à manipuler, à vivre en fait. Donc on a un travail qui se situe entre vraiment la frontière entre le graphisme, le produit ou le design d'interaction, où on est entre le design et l'art. Le principe de l'exposition Phénomène, c'est une série de dispositifs, d'objets à manipuler, de jeux, qui à chaque fois vont permettre de permettre au public de manipuler des phénomènes invisibles, des phénomènes qui sont derrière beaucoup de technologies ou de sciences qu'on a toujours autour de nous au quotidien en fait. Donc que ça soit par exemple un algorithme, un code, une onde, un capteur, de l'électronique ou des surfaces intelligentes. Donc tous ces phénomènes qu'on a autour de nous qui nous entourent de plus en plus et qui rendent le monde qui nous entoure de plus en plus complexe. Et alors l'exposition est organisée en 8 salles, 8 phénomènes différents, à chaque fois de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une première face qu'on appelle face A qui est le projet. Donc ça c'est notre point de vue à nous, ou un projet à manipuler pour appréhender un peu ce phénomène, et une face B qui est notre forme de représentation de ce phénomène qui est invisible à chaque fois. Et donc cette représentation, c'est à chaque fois un papier peint qui reprend des images. Au microscope, des images scientifiques. On a un intérêt à la fois pour des choses très complexes, donc ça c'est vraiment notre matière, notre sujet. Même titre qu'un designer pourrait travailler le bois ou le métal, nous notre sujet c'est la complexité de certains phénomènes. Et en même temps, en parallèle, on a vraiment un désir de faire des choses très rudimentaires, très intuitives. Donc, Papier Machine, c'est un projet de recherche qui dure depuis plusieurs années. Et ici, dans l'exposition, on voit l'aboutissement, enfin, ou du moins là où on en est maintenant. Donc, c'est un cahier de 6 jouets en papier qui sont imprimés avec des encres conductrices. C'est-à-dire que c'est de l'électronique sur du papier. C'est un cahier de jouets prédécoupé. Donc les gens peuvent détacher les éléments, les monter. On a fourni des composants, une pile, un piezo. Parce que enfin, le but de ces jouets, c'est de jouer autour du son. Donc du coup, sur les 6, on peut installer la pile, un piezo et un petit composant. Le premier jouet du cahier, c'est un piano. Donc on détache les touches, on insère les composants et il fonctionne avec le principe autour du principe de la résistance, c'est-à-dire qu'on vient dessiner avec du crayon à papier sur les touches. Et vu que le graphite contenu dans le crayon à papier est conducteur, le courant va passer et à partir du moment où on tapote sur la touche en papier, ça fait de la musique. Ben, l'intérêt ici, autour du projet Papier Machine, c'est un intérêt autour de tous les capteurs qu'il y a dans nos téléphones. Et plus généralement, comment fonctionne l'électronique, ce qui peut paraître assez obscur à tout le monde, mystérieux, compliqué. Une fois qu'on vous explique les choses, c'est assez facile de comprendre comment les choses marchent. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec le cahier papier machine. Essayer d'expliquer simplement aux gens comment fonctionnent les capteurs dans nos téléphones. Ça, c'est pour tout ce qui peut paraître, tout ce qui est scientifique. Et tout le rapport à la gestuelle, aux références autour du papier, ça c'est une volonté de faire à chaque fois des projets qui soient intuitifs, faciles à comprendre et qui parlent qui parlent à beaucoup de monde. Par exemple, on a travaillé autour des encres conductrices, autour de l'impression, et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier? On peut faire des boulettes, on peut faire des confettis, on peut écrire dessus, on peut froisser, on peut déchirer. Et à partir de tous ces gestes qui sont hyper familiers, on a essayé de trouver des jeux qui puissent permettre de comprendre les composants électroniques.